Soit Sidi Diallo n'est qu'à démissionner, Drogba n'est qu'à venir s'asseoir. Il est élu. Son mandat va finir. Mais le cratère de Faye l'impose aux Ivoiriens. Voilà. Faye là, il est imposé à nous. On va faire un champion pour venir chercher le trophée. Si le Rienné, un enfant de 40 et quelques, ça dit Faye même c'est un enfant qui nous a donné le trophée. Avec son demi-taille là, c'est lui on vit. C'est lui on vit. Il voit clair, il connaît le système de jeu. Quand c'est gâté là, t'as acheté les proches, tu as dit quoi? Que tu n'as pas été élu pour nous donner le trophée. Maintenant, on a eu le trophée avec quelqu'un, on dit de le prendre, tu es en train de dindin. Y'a je ne comment, ouais. Eh, je ne connais pas, faut nous dire, tu es dans quoi? Ouais, qu'est-ce qu'il ne va pas dans la fédération là-bas? Hein? Si ces fois vont là, ces fois, on va l'attaquer. Mais quand on parle du monsieur seulement là, on voit des forces qui viennent, tout le staff. Est-ce que nous on a vu le staff? Est-ce qu'on a vu le staff? C'est le nom en titre. Même quand un joueur rate le penalty, c'est l'équipe qui a perdu. Mais c'est le joueur là qui va fauter le chapeau de ça. Ridjalo, il faut revoir ta position là. Hein. Faut revoir ta position. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Il faut arrêter les bras de fer à la population. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut nous écouter. On n'a rien demandé. Est-ce qu'on a demandé l'argent? Même ceux qui ont perdu la vie là, est-ce qu'on a dit à des gens de venir donner l'argent là-bas? On dit, si vous voulez faire plaisir aux Ivoiriens, la Côte d'Ivoire, là, c'est un pays de reconnaissance. Voilà, on n'a qu'à être reconnaissant. Personne ne va venir moyen ton poisson fourri si c'est pas ton frère. Quand tu as commencé à disposer de choses là, quand tu as commencé à. Si tu mets dans ta maison là, tu es en train de fourrir là, tu es en train de. Ça dit, tu es en train de décomposer là. C'est les gens qui vont faire rentrer sur toi, comme ton frère va rentrer. C'est ce qu'il faut nous montrer. Ave Renan a dit que lui ne peut pas. Si tu vois Faye venir prendre là, je ne peux pas donner mon drapeau à quelqu'un, quel que soit, et tombe avec mon drapeau. C'est l'idée de ça. Sinon, le moment où il venait mettre la main en bas de l'équipe des éléphants là, on sait que c'est une équipe qui est fourrie. On sait que non, ça là, c'est un cadeau empoisonné. Mais Dieu a manifesté l'amour des Ivoiriens. Vous voulez montrer que non, quand vous êtes solidaires, quand vous êtes ensemble sans discussion, quand vous me demandez quelque chose, je vais le faire. C'est ce que Dieu a montré dans la canne là. Pour pouvoir venir changer une décision dans ça là. Faye là, je le connais pas, c'est pas mon frère. Mais c'est le drapeau qui nous relie tous. Voilà. C'est le drapeau qui nous relie. Donc c'est lui qui va venir soulever l'honneur des Ivoiriens là. On a foi à lui changer. Comment aller changer ailleurs? On va changer Faye là. C'est pour aller prendre défaite. Tu laisses la victoire pour aller prendre défaite. Si c'était qu'on a foi à aller quelque part là. Tu vas dire que non, Faye, vraiment, le fait qu'il est venu prendre, on allait en demi-finale quand même. On va envoyer quelqu'un qui est grand encore. Il va prendre au frais de lui. Quelqu'un qui a déjà fini ce que les grands doivent faire, tu vas lui mettre dans quelle école de connaissances encore? Moi, je vois un marmaille venir. Je vois un marmaille venir. Les Ivoiriens, levez-vous, chacun n'est qu'à parler. Moi, je vois quelque chose qui veut venir dans la fédération, là, ça serait pas bon. Je fous soit les gens à la violence, Idriss Diallo, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de vous y aller là. On a émergé notre pays, les vaillants de fond sont là, tout le monde est là. Faut pas les supporters, les Ivoiriens vont aller brûler devant le finé dans la rue à cause de la fédération. Évite. Faut essayer, jusqu'à ce qu'il va faire un échec. Nous, les Ivoiriens, on va dire que non, vraiment, on était reconnaissants, mais vraiment, c'est quoi. Mais Arlet, là, il est intouchable. Il est intouchable. C'est ton petit, partout où il s'assoit, il dit c'est grâce à toi. Ça doit te suffire. Voilà. Partout où il s'assoit là, il dit que non, c'est Idriss Diallo qui m'a envoyé en Côte d'Ivoire. C'est lui qui m'a fait jouer. C'est lui aussi qui m'a envoyé de devenir entraîneur. Si ça ne te suffit pas, parce que tout le monde dit lui. On ne peut pas crier derrière toi. On ne peut pas crier derrière toi. C'est toi-même qui as laissé les Ivoiriens en plein vol. Le moment on est en train de couler là, on est en train de mourir. D'autres sont en train de fuir les crises. Toi étant un président de fédération,
tu viens t'arrêter que non, c'est pas à cause des trophées. Eh, hey, tchè. Avant d'être président de la FIFA, là, tu es quoi? Tu es ivoirien d'abord. Donc, ton côté patriotisme, là, même là, on avait besoin de ça d'abord. À FIFA, raison, tu es ivoirien, puis tu es trique. C'est pas comme ça. Imagine que, de toute façon, c'était joli au stade. La Côte d'Ivoire a rapporté la canne de chez lui. C'est le président de la République où on a organisé la canne, là. Imagine. De toute façon, Ouattara, la FIFA, chose. Alors, comment dire, la FIFA a ordonné le président de la République de donner le trophée aux Ivoiriens. Que c'est son rôle, ça. Mais si c'était qu'il est en train de donner à Osimhen, c'était pas joli à voir? Il est en train de donner à Osimhen? Est-ce que c'était joli? Mais rien n'a évoqué ça, là. Sirigi Diallo. Pardon, évite. Faut sortir, tu as fait une déclaration rapidement. C'est ce que nous, on veut attendre. Antara de vraiment, si dans les critères, il doit démissionner, machin, faut lui donner le chemin qu'il faut, le complément. Faut pas le conduire à l'erreur. Si lui-là, si veut-il là s'en va, ça va pas nous arranger. Et toi-même, ça va pas t'arranger. Faut pas te dire que non, tu es un élu, que tu peux pas partir, hein. Tu vois, les présidents même vont vous laisser le reste de leur mandat. Il y a un coup d'État qui existe. C'est fois où il y a fois arrivé derrière toi, là, les gens vont aller derrière toi, moi, t'as te laissé. La population sort contre toi aujourd'hui, là, on veut rien savoir, là. Même si la fédération n'est qu'à nous s'assonner, nous, on s'en va de ça. C'est fois pour toi seul qui a défié tous les Ivoiriens. Je n'ai pas dit que non, tu es contre le fétis ou bien c'est comme ça. Mais nous, là, on doute de cette fédération, votre boy, là. Voilà. C'est ça. Parce que faut qu'on te dise la vérité. Trop, c'est trop. Évidemment, Timmy. Voilà. Chef là, avla, a signé. Nain, contrat signé. Rapidement. Là, on est rassuré. Les recrutements que tu dois faire, il n'y a pas de problème. Il va te respecter. Comment tu gagnes ton jeton, nous, on s'en fout de ça. Même si tu veux là, faut te dire que Faye, c'est son salaire qui est temps. Il n'est qu'à prendre tout son salaire pour te donner. Mais nous, on veut les résultats. Nous, on veut que Faye n'est qu'à travailler librement. Voilà. C'est toi-même qui as blessé les Ivoiriens, hein. Sinon, on a trop confiance. Voilà. Drogba, là. Tous les Ivoiriens l'aiment, Drogba. Mais c'est pas tous les Ivoiriens qui votent à la fédération. C'est ce qui était le problème de Drogba. De Didier Drogba. Mais il est venu faire tout ça, là. Est-ce que tu l'as fini? Drogba vient. Souvent, nous, on voit Gbagbo et puis Ouattara ensemble. On voit Védier faire à son âme avec Ouattara ensemble. Même s'ils sont adversaires politiques, Drogba, une légende, une licorne comme ça, qui va venir, qui n'a pas été à l'honneur pour toi. Hein? Et les anciens joueurs que tu es en train de les faire venir, là, Drogba est puissant que tous. Financièrement, il a relation que la FIFA même le respecte. Drogba donne, couvre quoi même là? Ballon d'or mondial. Il donne ballon d'or africain. Quand même, tu sais. On va montrer la haine en live. Moi, il dit vérité de tout le monde. C'est moi-même là. Je te le jure, hein. Dans l'élection à Drogba là, moi-même, j'ai clashé. Et ce que je vous disais il n'y a pas longtemps, vous ne pouvez pas espérer retrouver votre objet perdu en faisant appel à celui qui vous l'a volé, voilà, de venir vous aider à rechercher. Voilà qui est clair. Vous ne pouvez pas espérer retrouver votre objet perdu en appelant celui qui a volé l'objet là, de venir vous aider à retrouver l'objet. Est-ce que vous avez compris? Tu ne peux pas espérer retrouver ton objet que tu as perdu en appelant l'homme qui a volé ton objet de venir t'aider à chercher l'objet. Tu ne vas jamais le trouver. C'est ce qu'Assimi Goïta a dit la fois dernière. C'est ce qu'il a dit en Bambara la fois dernière. Quand les forces armées maliennes sont massacrées et qu'on demande des enquêtes, qui vient faire les enquêtes là?